Yo l'équipe, c'est Sang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch, mais avant ça je t'invite à t'abonner et à lâcher un pouce bleu à la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour un nouveau glitch donc de tenue pour avoir une tenue mastodonte modée. Donc pour aller ce glitch vous allez devoir vous rendre sur GTA avec votre personnage féminin. Vous allez devoir vous rendre dans un magasin de vêtements ou à votre appartement. Vous allez devoir vous rendre dans les hauts. Dans les hauts vous allez vous rendre dans les gilets de motard. Et dans les gilets de motard vous allez mettre le même gilet de motard que moi. Donc une fois que vous avez mis le gilet de motard, vous allez rester dans les hauts et vous allez vous rendre dans une autre catégorie, donc c'est les t-shirts rentrés. Et dans les t-shirts rentrés, vous allez devoir mettre le t-shirt retroussé blanc, donc comme moi à la vidéo. Une fois que vous avez mis le t-shirt retroussé blanc, vous allez vous rendre dans la catégorie des pantalons, pantalons en cuir. Et vous allez mettre le même pantalon rouge que moi. Une fois que vous aurez mis le même pantalon rouge que moi, vous allez devoir vous rendre dans les chaussures. Dans les chaussures, vous allez devoir vous rendre dans les bottes. Et dans les bottes, vous allez mettre les boots gris cendre. Une fois que vous avez mis les boots gris cendre, vous allez devoir donc enregistrer la tenue. Et une fois que vous avez enregistré la tenue, vous allez devoir faire le glitch pour avoir la capture, la tenue capture de zone verte. Donc une fois que vous l'avez, vous allez la prendre. Et une fois que vous avez pris la tenue capture de zone verte, vous allez devoir faire un glitch avec un véhicule. Donc une fois que vous avez le véhicule, vous allez devoir prendre la capture de zone verte. Vous allez ouvrir votre menu d'interaction style tenue. Et vous allez vous placer sur la tenue que vous avez enregistrée tout à l'heure. Vous allez vous rendre sur les parachutes, vous allez faire triangle. Et quand votre personnage s'assoit, vous allez mettre la tenue, donc la tenue 10 que vous avez enregistrée tout à l'heure. Et là, quand vous sortez, vous avez donc le casque de la capture de zone. Donc là, vous allez donc faire style, accessoire, masque. Et vous allez mettre le même casque amphibien vert que moi. Une fois que vous avez mis ce masque, vous allez donc devoir vous rendre à la caisse, et enregistrer la tenue. Donc là, retenez bien l'emplacement de la tenue que vous voulez enregistrer, car pour le personnage masculin, on va devoir donc le retenir. Donc là, vous allez faire start en ligne, changer de personnage, et vous allez devoir choisir votre personnage masculin. Une fois que vous avez choisi votre personnage masculin, vous allez devoir faire la même chose, donc vous allez devoir vous rendre dans un magasin de vêtements ou à votre appartement. Donc là, c'est la tenue qu'on aura à la fin. Donc là, vous allez vous rendre dans les tenues, tenue standard, et vous allez devoir enregistrer la tenue bronzage au même emplacement que vous avez enregistré la tenue sur votre personnage féminin. Et là je vous mets la suite de la manipulation en accéléré. Et pour ceux qui veulent la vidéo en détail, je vous mets le lien d'une vidéo dans la description pour réaliser le glitch.
Donc là voilà, donc j'ai spawn donc avec mon personnage masculin après la manipulation. Et là logiquement, si vous avez bien fait le glitch, vous allez avoir la tenue. Donc là on attend juste de spawn. Donc une fois que vous avez spawn, vous allez ouvrir votre menu d'interaction, vous allez vous rendre dans les tenues et vous allez mettre la tenue à laquelle vous l'avez enregistrée. Et vous pouvez voir qu'on a bien la tenue. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde.